Bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les moyens d'antan, on va dire, d'éclairage. Donc, c'est les anciens qui avaient ça. Donc, on va parler un peu de ça. Donc, je trouve assez important d'avoir plusieurs à la maison. Donc, en cas de panne d'électricité, c'est évident. Bon, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Si ces modèles-là, la Scion Shore là-bas ou la Petronax, ça éclaire à peu près la valeur de 300 bougies de mémoire. Et ça éclaire qu'à peu près un bon 200 watts de chauffage. Donc vous en mettez deux comme ça dans une pièce, ça chauffe. Alors il faut savoir que ces modèles-là, Petromax, ici une Petromax, donc c'est assez chiant la 31. Il y a des manchons qu'on voit ici qui coûtent assez cher. Donc celui de les gigoter un peu trop fort, et bon, ils pètent. Bon, quand ça éclaire aussi, ça éclaire. Idem pour celle-ci aussi qui marche avec des manchons. Alors ça, c'est des modèles pour éclairage intérieur. Donc là, c'est des becs Cosmos. Je n'ai pas encore trouvé en bec Matador. Voilà. Donc le bec Matador, il y a une petite coupelle au-dessus qui permet de diffuser la lumière, aplatir la flamme. Donc ici, c'est une que j'ai achetée, mais la personne a fait une erreur. On voit bien que là, j'ai un bec Cosmos et il a mis un verre pour une Matador. Enfin, je l'avais acheté quand même, bon, elle n'était pas chère, mais bon. Après, si j'en trouve une en Matador, je remplacerai le verre. Donc ça c'est des modèles, ça c'est très facile d'entretien, les mèches ça change comme qui rigole là-dessus, ça c'est pareil. Donc ça c'est des modèles qui restent à la maison, ça éclaire assez dur. Donc j'en préconise au moins 3. Hein. Déjà pour les grandes pièces, une pour la cuisine. 4 pannes. Ça c'est plus pour se balader en extérieur ou pour monter à l'étage, ou pour mettre dans la toilette, si vous avez dans la toilette, faut y penser aussi. Hein. Et ouais. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, il y a juste qu'à tourner ces petites molettes-là pour faire monter et descendre la mèche et allumer, quoi, c'est tout. Donc, faut toujours avoir le plein dans ces lampes-là, puis toujours avoir une boîte d'allumettes ou un briquet à côté, puis c'est tout, quoi. Le reste, ça se fait tout seul. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des lampes de poche, bon, je sais qu'ils en font des nouvelles à LED maintenant, mais bon, c'est pas des éclairages, c'est un éclairage bien fixe, et ça, c'est vraiment un éclairage vraiment. Ça éclaire comme une lampe. Voilà. Allez, c'était pour en parler. Voilà. Salut à tous.